De toute façon, tu vas couper le temps où je visse, là c'est trop long. Avant de commencer, je vous présente les outils nécessaires, donc forcément les chaussures et les cales, une clé BTR, un marqueur et du ruban adhésif. La première étape consiste à venir coller un morceau de scotch à l'intérieur du pied sur la chaussure. Donc j'enfile la chaussure, je l'ajuste pour me sentir à l'aise dedans. Comme si j'allais rouler. Je viens marquer au niveau de l'articulation de mon pied ici. C'est ce qui va être mon point d'appui sur la pédale. Donc sur ce pied, ça se situe là. Donc, vraiment le point central de l'articulation. Ensuite, je viens prendre ma cale et la positionner. Voilà, je ne serre pas du tout. Elle est simplement posée, là, elle est mobile. Donc je viens aligner le trait de la cale à mon trait sur la chaussure, sur le scotch. Je me réfère aux petites marques ici sur la semelle. Je vois l'écart, je le reporte en face. Donc on a aussi les mêmes repères. On a le même écart entre le marquage de la semelle et ce trait-là des deux côtés. Et ensuite, je viens serrer ma troisième vis ici. Normalement, on a des pieds symétriques. Donc on reporte les mêmes marques sur la seconde chaussure. Et après, on peut comparer en clipsant les chaussures sur les cales. Que le jeu soit le même, le recul soit le même, mais normalement en se référant au marquage, on a le même réglage. Donc là, ma cale est bien réglée. Je viens juste m'assurer qu'elle soit suffisamment serrée pour ne pas que la cale reste fixe sur la pédale au moment où je viendrai déclipser. Attention tout de même de ne pas serrer trop fort sur les semelles carbone, ce qui pourrait les endommager. Ce que je vous conseille, c'est d'aller essayer sur le terrain. Donc vous prenez votre BTR avec vous dans la poche. Il est possible que vous ayez besoin d'ajuster l'angulation si votre talon vient frotter la manivelle ou si vous ne vous sentez pas bien à l'aise. N'hésitez pas à jouer un tout petit peu, il ne suffit de pas grand chose. Pour savoir quand changer ses cales, il y a des petits témoins d'usure, ce sont les petits trous. Une fois qu'ils sont épuisés, il faut changer la cale. Ou sinon, avec les tampons antidérapants, c'est quand il n'y a plus de matière. Pour changer vos cales, c'est hyper simple. Vous prenez un marqueur, vous viendrez faire le contour de la cale usée et ensuite vous viendrez positionner votre nouvelle cale sur le repère. Un dernier petit conseil, changez vos cales au début de saison, elles vous tiendront l'année. Et surtout, ne les changez pas avant un stage ou une course, vous pourriez vous blesser. Voilà, maintenant vous savez comment régler vos cales et quand les changer, vous pouvez aller rouler.